Hi, c'est Sebody. Today, we cook beef, black pepper beef, and today the brother of my husband come to our home, and we will eat the black pepper. Beef black pepper. Let's check it out. C'est ton préféré, Evie? Ouais. Celui qui a des évolutions, toutes les éléments. Oh, Evoli! Evoli. En français. Hey! On capture incroyable repas, les frites, oui. Sont foncées. Wow. C'est cool, ça fait penser à des frites. Aïe, la frite. Ah, c'est correct quand même. La patate. La patate noire. C'est la première fois que j'ai cette couleur-là. Puis il reste des affaires à prendre dans ton jeu. On dirait que ça va pas du tout finir avec le dernier arène. Clairement pas, ça va juste me permettre d'aller un peu guillemets niveau 100, je parie. Wow, elles sont belles tes frites. Super bon. Ça, c'est bon. Mais noir! Brûle-toi pas. Brûle-toi pas, c'est ici. C'est bon, comme ça, je vais mettre ça. Ah, c'est bon! Chiette! Ça a pu te cuire un petit peu moins. Mais bon, patate rouge. Patate rouge, wow. C'est fort. C'est super. Les poutines, ça serait bon. Oh, black super. Pepper beef. C'est le genre de truc qu'on trouverait dans un resto. Là. Ben, ça, c'est comme à la resto. À la resto. C'est black pepper beef. Black pepper beef. Ça a du cœur. Hein. Ça a du cœur. Hein. Black pepper beef. Avec le poivron. Poivron et l'oignon. Je vais le faire à partir de bientôt. J'ai fait un vlog d'Adès avant-hier. Oui, moi je me suis rendu assez loin. Ça va être trop lait. Alright. Je vous laisse vous servir. Après, je vais faire un jeu. J'ai peur, tu veux essayer ça? Genre un malade. Ouh, un Elden Ring. Voilà. Il y a écœurant, bien sûr. J'ai fait un jeu d'horreur sur la Switch. Tout le monde trippe, même Chichounette. Chichounette, beau nom. Ouais. Ben, c'est son genre de jeu, fait que ça m'étonne pas. C'est pas de brûler. Mais trop tard, ma main est déjà à l'os. À l'os! Prends ce titre. C'est Miam. Miam, elle est jaune, mais maintenant elle est plus jaune. C'est juste miam. Elle est moins jaune qu'elle était avant, mais si tu veux boire de l'eau, prends l'eau qui est ça. Qui est ça? Miam. Qui est ça, what the fuck? Malade. C'est malade, merci. Just pure. Je pense que ça va être le meilleur repas de ma semaine. Est-ce que j'ai eu d'autres? C'est correct, mais... Oui. Wow! Ah, c'est une de mes recettes préférées, cette affaire-là. Ça accroche. Bien, j'ai fait une fricassée pas pire, mais je pense pas que ça accroche. Fricassée? Pour ça, faut que j'apprenne à faire des fricassées de pops. Tiens. Je sais pas comment est-ce que tu fais ça, une fricassée. Ben, ça peut varier pas mal, hein. C'est comme à base de patates. Ah, à base de patates, hein. Comme un stew avec des patates, genre, tu mets dessus de la... pas de la poudre, là, mais je veux dire... De la poudre blanche. Hier, ma fricassée était très curcuma, curry. J'ai mis beaucoup, beaucoup de légumes dedans. J'ai mis des patates, du panais, des navets, du poivron rouge, de l'asperge. De l'asperge. Ouais, j'étais pas là, c'est pour ça que je l'ai mis. De l'asperge. Quoi d'autre? Plein d'autres patentes. La fleur d'ail. Oh, et donc, en veux-tu? Ah, ça va être bon, ça. C'était écœurant. Correct. Correct. Merci. Miam. Ça, c'est mon assiette, by the way. Fuck. Mais prends ça tant que t'en veux. Écoute,
Je te laisse regarder. Tu veux avec légumes, pas légumes? Ah oui, j'ai bien aimé. Bien sûr que j'ai pas légumes. Ça veut dire que ça en plus, c'est pas ton assiette. Les ustensiles, peut-être pas. C'est pas non pas à toi. Tes patates sont plus. Mais c'est pas les ustensiles. Mais c'est pas les ustensiles. Pas à toi, là. Merci. Comme d'habitude, j'exagère, mais il y en a les autres, c'est un peu les autres. T'exagères pas. Et les morceaux sont parfaits. Hein. C'est fou. J'ai mis beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Oui, ça a l'air écœurant. Pourquoi c'est qu'on dirait des grillades d'un restaurant vietnamien? C'est tellement bon! Je suis gêné tant que le cuisinier n'est pas devant son assiette. Moi, il y a une épice que je ne reconnais pas. Ça s'appelle du love. C'est une épice bizarre. Bizarre. Pas vraiment d'épices, c'est du poivre. Quoi? Je ne sais pas! Ben, moi, je vais te montrer. Mon prêtre. Je vais te montrer des sous. Prenez chacun une bouchée. Que je commence à bouffer. En fait, c'est sauce aux huîtres. Avec ça. Ah ouais. Avec sauce soya foncé et sauce soya clair. A, B, C. A, B, C, D. Sauce soya sucré. A, B, C, D. À base de. Je sais pas si ça va. De fèves noires. Hein? Non, je sais pas. Ça, c'est quoi ici? Ah, c'est les huîtres peut-être? Non, c'est le soya. Ah, des fèves de soya. Soya. Oui. Sauce de soya doux. Oui. Sauce de soya doux. Produit d'Indonésie. Yeah. Yes, miam. Hein? Miam. Ah, il vient de mettre son assiette, sa fourchette dedans. Bon appétit! Bon appétit! Allez. Ah, miam! Pas pire, hein? Mm. Ah, oh, c'est bon! Quand même pas pire, tendre! J'ai pris rôti de palette, tu sais, c'est pas très tendre, mais j'ai testé de quoi pour la première rôti de palette. Est-ce que t'as mis du sel? Mais c'est comme le gros morceau avec du gras, genre? Ouais. J'ai coupé en petites tranches fines pour que ça soit beau dans l'assiette. Mais qu'est-ce que le travail, c'est fou! Quand même, c'est easy. Non, j'ai mis du sel. Sel, ouais. Non, en fait, oui, un peu. Ah, c'est patate? C'est patate? Ouais. Un peu plus, même ami. Mais si t'en veux plus, il y en a plus. Man, cette viande! Ah! Il y a du sel. Qui? Pourquoi? Le sel? Sel? Ouais, c'est ça? C'est vraiment facile à faire, hein? Juste parce qu'il faut que tu t'achètes ça. Faut que tu t'achètes ça. Ouf, mais ça va être dur. Dans les restaurants, Dans ta main, c'est la bonne idée. Dans les épiceries. Vas-y, c'est comme un malade. Mange. C'est tellement bon. Miam, miam. C'est tellement goûteux, tellement salé et sucré en même temps. Un peu intense salé, hein? C'est quoi? Ça me dérange pas, une fois de temps en temps. Le sel, c'est bon, après tout. J'ai mis bien de la sauce, tu sais, mais. Ah, ça vient, c'est bon. Nice! C'est vraiment bon. C'est tellement bon! J'en ai rien à la tête, là. Donc, c'est ça la clé. Je pense que j'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Une viande de même, là. Ça, mais c'est bon dans tout, là. Sérieux, cette sauce-là. Ça ressemble à des grillades vietnamiennes, je trouve. Ouais, ça te rappelle quelque chose, ça? J'ai mangé une fois des grillades vietnamiennes. Prochaine fois, faire ça. C'est très ça, vietnamienne, là. C'est sur ma liste. Trop bon. Ça, vermicelle, poulet grillé, genre. Goûter les légumes aussi, hein. Pour qu'il y ait des œufs braisés ou des affaires comme ça, puis c'est pas exactement ça, là, mais ça. Il y a quelque chose au vrai qu'on peut penser. Les bons oignons. Mais souvent, eux, le sucré, là, c'est avec la cassonade qu'ils vont prendre pour avoir ce goût-là. Mais t'es rendu tout un cook, mon frère. Hey, vous spé. Hey, papa. J'aime les poivrons cuits dans ça. Ah. Intéressant. Abel mange pas les poivrons cuits d'habitude. Mais ce sont légèrement cuits, c'est quasiment plus cru que cuit, je te dirais. Est-ce que tu as déjà pensé à faire le repas pour Anne? Je pense que ta maman, elle pourrait
Ben, j'avais fait... une fois de temps en temps, si elle prenait congé, ce serait possible. Ce qui est rare. Mais ensuite. J'ai fait des fois, mais pas tout le temps. Mais ouais. Non. Est-ce qu'elle apprécierait, tu penses, ou après que ça, c'était rien de tel? Ah, ben, ouais. Ben, si on fait un souper, ça te donne ça. Quand tu dis. Ils ont des jours de congé, tu sais. Non, ouais, c'est ça. On aimerait sûrement ça. Mm-hmm. Et c'est fou, là. Donc, tes skills sont d'un gros niveau, là, soudainement. Oh! Mmh. C'est tellement bon là, ma bouche, elle explose de saveur. Ah si, ma bouche explose de saveur. Ouais. Je vais boire un peu d'eau parce qu'il y a trop de saveur. Ou trop de sel. Le sel, ça donne soif. Tu as quoi? Tu as soif? Besoin de boire de l'eau parce qu'il y a trop de goût. L'autre sauce soya qu'on prend, c'est une sauce soya indonésienne qui est une sauce soya salée, genre. Oh. Puis c'est intensément salé, genre. C'est salé. Sauce. Plus salé que le sel lui-même. Ça sale le sel si tu veux. Genre. Je vais te sel en plus. Tu peux transformer un lac en mer. C'est bon. Désolé, je suis obligé de sacrer. Tiens, mon bon. C'est trop bon. C'est fort. Ah, je laisserai pas un morceau de gras. Moi non plus, je mange le gras. Oui, cette chaise-là. Oui, aïe, aïe, oui. Oula. Oula. Mm. Oh, elle est là. Est-ce que tu as déjà goûté avant ça? Non. Non, pas cette recette-là en particulier. Mais des recettes qui ressemblent à ça, ça m'est arrivé d'en goûter. Mm. Moi, une fois. Mais exactement ça, non. Une fois, ça fait longtemps que c'est tellement bon. Ouais. Ça me rappelle certains plats que j'ai mangés des fois dans des restaurants vietnamiens. Bœuf au poivre. Mais ça coûte pas beaucoup de poivre. La sauce au poivre à laquelle je suis habitué est épaisse et brune. Mais c'est différent. Je m'attendais à ça. Mmh. Hein. Le poivre, c'est genre. Avant les oignons. Parce qu'au début, tu mets l'huile, genre, avec de l'ail. Puis quand ça commence à cuire un peu, là, tu mets comme trois grosses cuillères de poivre noir, genre. Là, tu fais mijoter ça. Du poivre finement moulu, parce que sinon on le verrait. Ben, du gros poivre noir normal de même, là. OK. Puis là, après, tu mets ton bœuf, genre. Si tu veux, tu peux mettre du poivre tard, mais j'en ai pas mis. C'est tellement bon. Mais ça, c'est genre le truc que tu vas trouver au restaurant, genre chinois, là. Mm-hmm. T'avais le aussi. Ça dit genre sauce poivre noir. Dans un restaurant chinois, ça va être. Avec toute cette sauce-là, là... ah, j'ai pas les grains de poivre. Avec toute cette sauce-là, ça serait, j'imagine, parfait pour du riz blanc. Avec le du riz, c'est. Ben oui, c'est ça, parce que le riz, soudainement, il va tout boire. Oui. J'ai quasiment fait du riz, mais je me suis dit, des patates frites, c'est plus badass. C'est plus badass. Pour nous, parce qu'il aime beaucoup. J'ai tellement de sauce que c'est ma sauce. Puis nous, on peut pas en faire chez nous alors. Pour nous, c'est exceptionnel. Le riz, on peut l'en faire. Oh, des patates, pas le vrai. Une patate frite, j'ai rien pour l'en faire. C'est fait dans le chaudron. Ouais, ben avec de l'huile, j'imagine, la friture. Faudrait comme que je... Parce que j'ai pas encore utilisé la friture que tu nous avais donnée en cadeau, genre. Ah non? Parce que j'ai comme pas la place pour la mettre. Quand je suis je vais l'utiliser. Pas les patates frites, c'est parfait. Mais depuis que je suis venu d'Indonésie... T'as vu qu'on pourrait faire ça simplement. Je peux faire frire comme n'importe quoi, puis j'en fais frire. Les enfants, n'importe quoi à ce temps. C'est fucking bon, là. Genre comme son nom. C'est vraiment simple. L'œuf, genre, un œuf. Tu le fais frire de même, genre. Ouais. Puis après, tu pognes un sandwich, pain grillé, avec sauce épicée, genre. Avec ton œuf dedans, là. Wow, c'est bon. Ça tue, ok. Snack de fin de soirée, genre. Snack de fin de soirée. Vous l'avez dans l'huile demain, vous l'avez poché ou quoi? Hein? Si tu casses un œuf dans l'huile, là, c'est bon, les œufs pochés! Qu'est-ce qui va y arriver? Ça va griller vite, genre. Ça fait que t'as un œuf. Un œuf poché à l'huile. C'est tellement bon, les œufs pochés. Ouais, je pense que oui. Pas... Moi, ça m'arrive de faire des œufs pochés dans de l'eau. Je fais bouillir de l'eau, puis là, je casse un œuf dans l'eau. Puis ça cuit suffisamment vite dans le fond pour que ça. Pour que ça reste pogné. Tu sais, ça se répand pas. Il y a des trucs pour ça. Je pense que les monstres qui font un tourbillon dans l'eau en premier, genre. OK. Fait quand tu te casses, ça reste dans le tourbillon le temps que ça ait le temps de pogner, genre. C'est brillant.
Dis-moi juste d'autres paramètres là, pour la friture. Pourquoi je pourrais en faire en fin de semaine, la friture, si c'est facile à faire? Moi, bien sûr, les patates frites, là, j'ai fait dans mon wok, là, type. Dans mon wok. Moi, souvent, là, j'ai toujours... Quand tu verses sur un tiers de bouteille d'huile, de l'huile comment? Ben, moi, je prends l'huile végétale. Ou végétale ordinaire. Là, c'est correct. Je prends l'huile la moins chère. Dans le fond, moi, ce que je fais, là, ouais. Si j'ai des patates frites, ton huile, elle va rester bonne quand même. Fait que tu prends à l'utiliser souvent, tu sais. Fait que moi, je mets mon huile dans mon wok. Puis après ça, quand j'ai fini de cuisiner, je mets mon huile dans une autre casserole. La casserole, je la laisse sur le four, tu sais. OK. Fait que là, si j'ai besoin de cuisiner, mettons, j'ai juste mangé de quoi, là. Ça prend juste 2 cuillerées d'huile. Fait que je prends mon restant d'huile, je fais cuisiner avec ça, genre. Si je refais des patates frites, là, je remets mon restant d'huile, puis je le mets dans le wok. Plus que c'est grand. Donc ça, tu vas pas jeter, là. Tu vas le garder pour plusieurs jours. Ben, ce qui est là-dedans, je vais essayer. Peut-être pas trop longtemps, parce que l'huile qui est là, j'ai fait du poulet frit avec hier, genre. J'ai essayé une recette de poulet frit. Ben, vu que je fais que de la viande avec, c'est moins... C'est moins recommandé, parce que ça pourrait se contaminer. Tu genre. Pourrais utiliser 3-4 fois, genre, mais patates frites, tant que c'est en règle, je l'utilise. Là. Puis, t'sais, tant que t'as assez d'huile pour recouvrir tes patates, genre, c'est correct. T'sais. Puis moi, j'aime bien mon wok, puisque ça colle pas dans le fond, genre. Mais... OK, c'est noté. Écoutez, je peux-tu m'en prendre encore? Encore? Il me reste plus de patates, mais... Mange, dérange-toi pas, ma chère. Ah oui, t'as cet endroit-là, dérange-toi, ma chère. Il reste plus de patates. Hein. J'aurais pu faire des... du riz, finalement, je pas du riz? Ouais. Tiens, j'ai plus faim, mais c'est juste trop bon. Petit? La première fois, j'ai plus faim. J'ai plus faim, mais j'ai juste envie de continuer à en manger. La première fois que j'ai fait cette recette-là, je me suis dit, oh shit, c'est bon, même. Hein? Fait que je me suis dit, ah, il reste, là. Il faut une autre acide avant de me coucher, genre. Ah, Mimi. Homping. C'est rendu pas bien, comment était son accent là-dessus? C'était pas bien. Homping. Non, il n'est pas encore sur la poche. Homping. C'est non, chaud, encore, c'est chaud, non? Hein? C'est attention. Non, il n'y en a plus, Mimi. Oh, non, ben... je ne sais pas. Moi, j'ai avec l'accent, tout le monde est super. Mais en même temps, je suis pas indonésien. Tu vois? Peut-être, juste. Ben, peut-être, si on a le temps, hein, je sais pas. Ah, c'est correct, Mimi. Hein? Et là, parce que c'est pas. On va essayer quelque chose pour le fun si on. Ça vient. Avec un ping. Ça vient de l'Indonésie, ça. Oui. Ça, c'est poké, cette affaire. Oui. Ça, c'est bon avec cette sauce-là. J'ai pas pensé pour les faire cuire, par contre. C'est comme. Comme un chip. C'est comme un chip, mais c'est comme une petite de noix spéciale. Oui. Écrasé, puis ça fait ça, genre. OK. Puis quand on met ça dans l'huile, ça gonfle, genre. Puis dans de la sauce, c'est fucking bon. OK, ça devient une espèce de coup. Le nom est Homping. 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 Yeah. On va ouvrir tout. Ah, c'est pas encore chaud. On va attendre un peu, peut-être qu'on a le temps. Homping. Homping. Les dumplings, puis les Homping. Ah oui. Ah, mais sont bonnes, c'est la première fois qu'elles sont bonnes de même, ça. Les... C'est vraiment des patates rouges qu'il faut, ça fait toute la différence. Des patates rouges, mais trop non. Les patates jaunes, ça donne pas les meilleurs résultats. Sont tellement bonnes, les patates jaunes. Ouais, c'est bon, mais. Mais pas en frites. Je sais pas, hein. Mais c'est pas qu'il n'y a pas le tour non plus. Il y a la différence entre patates rouges et patates. Je vais peut-être en faire de même. Tu les fais pas bouillir avant, les patates, n'est-ce pas? Tu peux les couper avec attention et amour, puis ensuite de ça. Ouais, mais il y a une rumeur qui dit que. Tu peux mettre d'autres choses dans ton huile pour donner une saveur ou je sais pas? Ben là, c'est mon restant d'huile de poulet frit. Fait que peut-être. Fait qu'il y a la saveur de poulet. Mais. Oh. Ouais, le sel est en train de revirer ton esprit. Mais. À la fin, le sel, c'est comme le. Mais sinon, au moment où tu as fait ton poulet frit, il n'y avait rien d'autre dans ton huile. Bon. Tu l'as pas assaisonné. Bien sûr, je vais juste mettre de l'huile, puis je vais mettre mes patates dedans d'acide. Je vais prendre quelques huiles assez pour recouvrir un petit peu. OK. Le wok qui est gros, fait que c'est quand même gros, c'est pas dangereux. Faut faire attention quand même un peu. Tu sais, je prendrais pas comme une petite poêle de rien, mais
pour ça à l'envers, parce que... Non, je comprends. Imagine si ce soit des éclaboussures, là, ça va être des brûlures qui vont durer pendant des mois. Puis tu sais, parce que, évidemment, les patates, on va les mettre dans l'huile. Moi, j'enlève. Moi, j'y mets dans, là-dedans, avec de l'eau, genre. Mm-hmm. Puis après, je prends la passoire, puis j'enlève l'eau le plus possible. Parce que moins qu'il y a d'eau dessus, mieux ouais, ça va être genre. Ah, ok. Puis oui, s'il y a de l'eau, ça va faire de la bulle, puis ça va renverser, puis ça tombe sur le rond. Pas aller en courant. C'est noté. Je vous fais des frites en fin de semaine, les amis. Est-ce que tu cuisines ça déjà avant? Est-ce que tu as déjà cuisiné ça avant? Jamais fait. Moi, non. Non. Jamais. C'est assez loin de ce que je sais faire. Ah, oh, c'est loin. Assez loin de ce que je sais faire. Tu vois, je me sens pas prêt à faire cette recette-là. Par contre, les frites, je pense que je suis capable de les faire. Ce que Simon vient de m'expliquer, je suis capable de le faire. Ben, tu mets l'huile dedans, je veux juste pas savoir comment faire. Tu nous as déjà fait une super bonne poutine une fois. Ouais, ben là, soudainement, je pourrais vous faire une poutine de votre niveau. Moi, c'est la sauce. Là, la patate, là, si je peux refaire ces patates-là, genre, là, c'est vraiment patate de resto de poutine. Hein? Je vois tout quoi avec ça. Mm-hmm. Mais c'est la sauce. Moi, j'achète les sauces cannes Saint-Hubert. C'est pas si bien, mais ça peut valoir la peine de faire soi-même sa sauce brune. Ouais. Mais c'est parce qu'on va faire tout soi-même à manger. C'est long. Cuisant. Juste la fricassée dont je te parlais tantôt, hein, juste le coupage de légumes hein, avec la cuisson simple que ça impliquait. Ça va plus 2 heures. Ouais, quand même, ben, c'est pas fait, ça a pris 1 heure, genre, à peu près. 1 heure, puis ce qui est plus long, c'est couper les légumes. Tu sais, fait que dis-moi, c'est pas si bien. Fiche. C'était super bon. J'ai super capoté, bon. J'ai adoré ça. C'est le sacré de toutes les émissions que je connais dans toutes les langues que je connais. Kso! Wow! Je sais pas si c'est chaud. Comment on dit maudit en indonésien? Maudit? Ouais, maudit. Ou. Malédiction. Ou n'importe quoi de très grave. Là, que... C'est quoi le juron le plus grave? C'est bon? En indonésien, c'est bon? Le juron le plus grave de la langue indonésienne. Bad word. The worst word of all, mettons. Après, gila. Gila? C'est fou. C'est fou. Z-I-L-A. G-I-L-A? Gila? Gila! Esti calice de fuck de Gila! T'as bien, moi je la vole! Mais il y en reste. Ça c'est à la lave, on passe carrément. Oui, oui! C'est quoi? Non, mais mange. C'est quoi? Non, c'est correct. Attends, si tu veux voir. J'ai déjà. Non, c'est cool. T'as déjà à la limite. Ça, tu mets juste ça là-dedans, là. Et ça.